Le film que je présente ici, avec le titre Imagine Waking Up Tomorrow, and All Music Has Disappeared, est né d'une rencontre avec un artiste qui s'appelle Bill Drummond, qui justement est parti avec... Il n'y a plus de musique dans le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Et lentement, avec lui, on fait un voyage pour retrouver la musique, justement. L'engagement personnel, c'est tout d'abord ma curiosité, mon intérêt de savoir plus qu'est-ce que c'est la musique, d'où elle vient, où est-ce qu'elle va. Qu'elle ne soit pas seulement un produit de consommation, mais je crois que quelque chose de beaucoup plus dans notre société. Et qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui, dans un temps où on peut prendre son iPod, écouter n'importe quel morceau tout de suite, le lâcher, prendre autre chose. Alors, dans cette situation-là, qu'est-ce qui est la musique pour nous? C'est une bonne question parce que je pense que c'est dans un documentaire idéal, comme moi je le pense, c'est toujours les deux. Parce qu'on ne veut pas partir dans le voyage du film avec tout ce qui est prévu. Il faut avoir la liberté, ou la surprise, les choses qui se passent. Il faut laisser l'espace à ça. En même temps, pour former cette réalité, il faut un esprit, il faut une attitude, il faut savoir ce qu'on veut. Alors c'est tout à fait une combinaison des deux. All aboard, all aboard, yeah. Imagine waking up tomorrow morning and all music has disappeared.